d'être avec nous sur France Culture. Voici l'esprit public en public du studio 105 de la Maison de la Radio. Merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux ce matin. L'esprit public en public, on l'aura entendu donc pour un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, le philosophe François-Xavier Bellamy, Thierry Pech de Terra Nova et Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Il y a des semaines plus grises que d'autres, des semaines où l'on vous annonce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017, des semaines où 15 000 scientifiques du monde entier lancent un appel au gouvernement pour agir avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Ultime signaux d'alerte à l'occasion de la COP23 cette semaine à Bonn. Emmanuel Macron y a tenu des propos percutants, tandis que la délégation américaine y organisait un colloque en faveur du charbon propre, aussi indécent que de faire la promotion du tabac dans une conférence sur le cancer, pour reprendre la triste plaisanterie du maire de New York. Sans doute dans cette affaire, faut-il se souvenir de ce que le philosophe Jean Guiton appelait « le point vertigineux », celui où l'humanité aurait à faire le choix radical entre la métastrophe et la catastrophe, choisir entre le suicide cosmique ou enfin la mutation des consciences. En attendant, le feuilleton politique du nouveau monde macronien continue. Nouvel épisode ce week-end avec le premier congrès de la République en marche à Lyon, l'élection d'un délégué général, oh surprise, monsieur Castaner, et un parti désormais en ordre de marche, contrairement à tous les autres. Front National en refondation, France Insoumise essoufflée, Parti Socialiste au bord de l'explosion, et la droite dans tout ça. Où est cette droite républicaine qui n'est pas Macron, pas constructif, pas Modem, pas UDI? Où est la droite qui n'est pas au centre? Le 9 novembre dernier, on la cherchait, cette droite, à Colombey-les-Deux-Églises, où un certain Laurent Wauquiez allait à la rencontre des nostalgiques de l'indémodable général. Vous avez vu Laurent Wauquiez passer? Ah ben, on voudrait bien le voir, parce que... Pourquoi? Ben, parce que nous sommes aux Républicains, et puis que le 10 décembre, j'ai rien à cacher, je voterai pour lui, et mon épouse également. Vous avez quoi de gaulliste? L'attention aux petites gens, l'attention aux classes moyennes, l'attention aux familles modestes, l'attention aux petites communes. Tout ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on ne doit pas oublier et qui marquent aussi ce qui est notre héritage. À présent, oui, c'était Fillon, Sarkozy, tout ça, c'était des héritiers de Gaulle, Chirac, donc maintenant il y a Wauquiez. C'est le plus légitime, à mon avis. Il incarne quelle valeur de la droite? Ah, bah écoutez, hein, tout ce qu'on revendique à droite, le travail, le mérite, l'autorité. Voilà, c'est ça, surtout. Le libéralisme, très important le libéralisme, qu'on laisse les gens vivre et qu'on laisse les gens travailler surtout. Je refuse que dans nos quartiers, les filles soient obligées de s'incliner quand des garçons et les petits caïds des quartiers les traitent de putes sous prétexte qu'elles s'habillent comme on s'habille en France. Ici, c'est la France. Et c'est donc dans moins d'un mois l'élection du président du parti Les Républicains, les 10 et 17 décembre prochains. Les militants du parti ont le choix entre Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maëlle de Calan. Pas vraiment la même affiche qu'il y a un an pour les primaires de la droite et du centre, qui opposaient, rappelons-le, un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, deux anciens premiers ministres, François Fillon et Alain Juppé. François-Xavier Bellamy, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'état de la droite française, cette affiche-là? D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une affiche. De fait, il y a bien une élection, et c'est vrai qu'on regarde avec ironie la situation de la droite en France, mais on peut toujours préférer la qualité de cette élection qui a le mérite d'une forme de transparence par rapport au spectacle qui vient d'être donné par un autre grand parti qui promettait de renouveler en profondeur les pratiques politiques. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette affiche, elle témoigne d'abord de l'incroyable coup de balai qui a eu lieu dans le paysage politique français l'année dernière. Ce renouvellement très profond qui s'est opéré, peut-être moins malheureusement dans les pratiques et les méthodes que de façon certaine dans les visages et dans les personnes, ce renouvellement, c'est aussi l'occasion d'une reconstruction en profondeur du dialogue politique. Et de ce point de vue-là,
il me semble que la droite n'échappera pas à un travail de fond pour trouver sa place dans ce nouveau dialogue politique. Et il me semble que Laurent Wauquiez, s'il est élu président des Républicains, aura à mener ce travail, parce que aujourd'hui, la droite n'a pas de doctrine claire pour pouvoir se situer sur le nouvel échiquier politique. Il y a deux manières d'interpréter ce qui s'est produit l'année dernière. Une première façon de l'interpréter, qui est malheureusement, je crois, trop facilement le soutien de la paresse intellectuelle de beaucoup de responsables de droite, c'est de penser qu'au fond, tout ça était lié aux affaires qui ont émaillé la campagne et qui ont marqué la candidature de François Fillon, mais que très bientôt, après cette situation un peu exceptionnelle, on en reviendra au bon vieux clivage gauche-droite à l'ancienne, avec la gauche qui dépense trop et qui est trop laxiste en matière de sécurité, et la droite qui baisse ou qui promet de baisser les impôts et qui remet des policiers dans les rues. Je crois que ce dialogue politique-là, il est fini, et Emmanuel Macron a eu l'intuition, le pressentiment que cette espèce de caricature de débat démocratique ne satisfaisant plus personne, il était temps de constituer une offre et une proposition nouvelle. Mais la vie politique est faite d'alternatives, elle est faite d'alternance, elle suppose la vie démocratique, une vraie liberté de choix offerte aux électeurs. Et donc la responsabilité de la droite, ce sera maintenant de se réinventer à son tour pour pouvoir apporter une réponse à la proposition macronienne. Thierry Pêche. Ouais, je rejoins ce que vient de dire François-Xavier Bellamy, mais je pense que la situation est plus grave encore. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, à ces mêmes micros, depuis de longs mois, disaient que la crise de la droite était moins visible que celle de la gauche, mais tout aussi profonde. Et elle est profonde parce que bon, la droite a toujours été diverse. On peut rappeler les travaux de René Raymond ici. Il y avait trois grands tempéraments de droite, trois grandes familles, les bonapartistes, disons, qui avaient le culte du chef et de la démocratie décisionniste, on va dire. Les légitimistes qui avaient le culte de la continuité historique, de la tradition catholique, parfois un peu contre-révolutionnaire. Et puis les orléanistes qui étaient la droite, disons, optimiste, réformiste, prête à pactiser avec les idées libérales, pas simplement au plan économique. Ces trois familles, elles ont toujours cohabité à droite. Mais le triangle de René Raymond est devenu avec le temps un triangle d'impossibilité. C'est-à-dire que leur capacité à cohabiter s'est beaucoup affaiblie. Je crois que c'est ça qui crée la tension, finalement, du champ politique à droite aujourd'hui. La dernière personne qui avait réussi à faire cohabiter ces trois familles, c'était Sarkozy. Parce que Sarkozy, il racontait une histoire à dormir debout, mais à laquelle les gens ont bien voulu croire. C'est-à-dire, il disait, en gros, aux libéraux, le monde est ouvert, et aux autres, la nation est fermée. Et ça, finalement, assez bien marché en 2007. Ça a un peu toussé en 2012, mais c'était pas loin de passer. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, et c'est ça le fond du problème, si vous voulez. Les bonapartistes aujourd'hui, que Wauquiez peut un peu représenter, disons, il est l'incarnation de ce tempérament, ils butent sur quoi ? Ils butent sur le fait qu'il y a un truc qui s'appelle l'Europe, qui limite quand même pas mal l'exercice d'une souveraineté solitaire. Ils butent aussi sur le fait qu'il y a la décentralisation, il y a les territoires, il y a les élus locaux. Mmh. Bon, les orléanistes, eux, ils butent sur la demande d'ordre, qui est très forte aujourd'hui, etc. Et dans tout ça, Wauquiez, il incarne ce que, pour ceux qui jouent aux échecs, vous savez, il y a une figure qui s'appelle le gambit, qui consiste à sacrifier une pièce en espérant gagner la partie. Wauquiez fait le gambit des orléanistes. Il dit, voilà, je vais faire sans eux, et on va réconcilier les deux autres parties, on va y arriver comme ça, en tout cas dans la première période. On va voir, mais il me semble que le gambit est vraiment une figure réservée aux excellents joueurs d'échecs. Alors, on va justement parler de ce que vous appelez le gambit de Laurent Wauquiez. En tout cas, on va essayer de définir ce que serait sa stratégie politique, puisque vous dites tous les deux, et vous le direz sans doute tous les quatre, qu'il y a un champ idéologique à reconstruire à droite. Il nous a donné quelques signes quand même, Laurent Wauquiez, par exemple, la semaine dernière, dans le journal du Dimanche, en disant, par opposition à Macron, Macron a une haine de la province, Macron c'est le désert de l'âme, Wauquiez se posant ainsi, vous l'avez dit Thierry, en garant des territoires et de la France éternelle. J. Finkelstein, il y a là un espace vide, mais quel espace dans l'offre politique du moment sur ce terrain-là des territoires ? Il y a exactement un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 20 novembre, c'était le premier tour de la primaire de la droite. Plus de 4 millions de Français se sont déplacés, et ceux qui se sont déplacés et ceux qui ne se sont pas déplacés avaient la conviction qu'on élisait le président de la République. C'est dire, un an après, l'ampleur du séisme, il y a les difficultés qui ont été évoquées précédemment, c'est-à-dire, je crois, si
en allant très vite, la première difficulté, ce sont les Républicains eux-mêmes par rapport à ce qu'était l'ambition au moment de la création de l'UMP, c'est-à-dire de surmonter ces divisions traditionnelles de la droite au travers d'un parti qui avait une vocation hégémonique, d'un parti qui avait vocation, c'était l'ambition à l'époque d'aller à 40%. Ce parti voit sa base rétrécie avec un électorat aisé et un électorat âgé, et seulement un électorat aisé et seulement un électorat âgé, et son sommet divisé. Il y a tout un continuum d'Edouard qui allait d'Edouard Philippe jusqu'à Laurent Wauquiez. Ça, c'est la première difficulté. Il y a une deuxième difficulté, on l'a évoqué, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire qu'il a été élu président de la République grâce au gros bataillon de la gauche modérée. La moitié des électeurs de François Hollande de 2012 ont voté pour lui, mais il a bâti sa victoire aux élections législatives sur les apports de la droite modérée, et depuis lors, sa structure de popularité s'est surtout renforcée de ce côté-là. Ce faisant, l'espace de la droite s'est rétréci. Et puis, il y a une troisième difficulté, c'est Laurent Wauquiez lui-même. Parce que, quand on regarde ce qu'étaient les débats de la primaire, il y avait un certain consensus qu'on ne connaissait pas traditionnellement à droite autour d'une droite qui était plus libérale sur les questions économiques et plus européenne. Et par ailleurs, qui souvent était conservatrice. Il ne reste plus que le conservatisme, et c'est cette base-là qui est une base étroite. D'ailleurs, il est très frappant de constater que Laurent Wauquiez est peu populaire, y compris dans l'électorat des Républicains. Je regardais dans le dernier baromètre Ipsos, non seulement il était en recul, alors même qu'on est en pleine campagne, en recul dans son électorat, et il était soutenu par moins de la moitié de son électorat. Donc ça, c'est la somme des difficultés, des défis qu'il doit relever, évidemment considérables. Il a quelques atouts pour le faire, même si on peut, ce qui est mon cas, ne pas partager loin de là la ligne politique qu'il a choisie. Si on veut la résumer d'une phrase, je crois que Patrick Buisson est parti, mais il n'est pas parti sans laisser d'adresse, et son adresse, c'est Laurent Wauquiez. Christine O'Krent. Vous pensez en effet que Patrick Buisson a laissé son adresse ? Et plus sérieusement, et au-delà de Patrick Buisson, qui n'est pas le seul à inspirer la droite française, est-ce que vous considérez aujourd'hui que, malgré tout ce qui a pu être dit sur la façon dont Emmanuel Macron a récupéré un certain électorat de la droite, il reste un espace, et quelle est la taille de cet espace pour parler à une France qui a le sentiment qu'Emmanuel Macron ne parle pas assez des frontières, des questions identitaires ? Quel est le champ qui reste aujourd'hui à cette droite-là, si c'est celle de Laurent Wauquiez ? Ce qui est très intéressant dans la tradition de la droite française, c'est qu'elle veut toujours un chef avant d'avoir un programme ou une plateforme. Et donc l'obsession du chef est constante, de même que l'incantation au gaullisme, mais qui n'est plus son monopole. Et je crois que l'un des problèmes de la droite, c'est que cette incantation, et il était très intéressant d'écouter le témoignage des fidèles à Colombey, les deux églises, l'autre jour, mais il n'y avait pas que Wauquiez. Il y avait Philippot, il y avait Dupont-Aignan, et le président de la République, le premier, ne manque jamais d'invoquer les mânes du général. Donc je crois que cette obsession du chef habite d'abord les ambitions de cette génération menée par Wauquiez, après le coup de balai auquel nos amis faisaient référence. Ce qui est très frappant aussi dans le discours de Wauquiez, c'est qu'il essaie de trouver une ligne de fracture sur l'Europe, qu'il dénonce d'abord à juste titre comme ayant divisé la droite, mais elle a aussi divisé la gauche, et ça a été, je crois, l'un des drames du Parti socialiste à l'ancienne, qui maintenant peine à frémir dans ses propres décombres. Mais Wauquiez insiste à nouveau là-dessus. Et ce qui m'a stupéfaite, Wauquiez était à Strasbourg il y a quelques jours, il est allé au Parlement européen. À cette occasion, il a donné un entretien à un site qui s'appelle Politico, qui s'est spécialisé dans les questions européennes. Et là, il a tenu des propos qu'un garçon aussi diplômé aurait quand même du mal à justifier. Wauquiez est bardé de diplômes. Eh bien, à côté de ça, c'était des propos non construits, approximatifs, et en particulier sur le Brexit, et qui surtout montraient, et c'est ce qui m'a surprise,
une absence de réflexion approfondie, alors là même qu'il essaye de porter le fer sur l'Europe dont il veut, par rapport à Emmanuel Macron, évidemment, de façon emblématique, faire un argument de campagne majeure. Alors François-Xavier Bellamy, vous écoutez tous les trois avec beaucoup d'attention. À la fois, non, mais c'est un garçon très poli. Mais très courtois, et on va lui laisser la possibilité de vous répondre sur ce terrain-là, des territoires, de l'Europe, etc. Est-ce que cela suffit à définir ce que sera demain le nouveau champ idéologique de cette nouvelle droite ? Ce qui est certain, c'est que si la droite n'a pas fait ce travail de fond, et vous avez tout à fait raison de le dire qu'elle ne l'a pas fait pendant très longtemps, c'est peut-être parce que son adversaire était très caractérisé. Et c'était intéressant d'évoquer la crise de la gauche et la crise de la droite simultanément, parce qu'en réalité, c'est un tout. La droite est en difficulté parce qu'elle a perdu un adversaire qui était facile à combattre. C'est de la faute de la gauche, c'est ça que vous expliquez ? Non, c'est grâce à la gauche. Je pense qu'en fait, on est en train de vivre les conséquences lointaines de l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire que le communisme comme option a littéralement disparu du champ des possibles. Et donc la gauche a fait, et notamment pendant le quinquennat de François Hollande, son aggiornamento définitif. François Hollande a commencé par le discours du Bourget, et puis ensuite, progressivement, il s'est éloigné de cette rhétorique qui était tout ce qui restait peut-être de radical à la gauche de gouvernement, pour venir à une forme de politique gestionnaire qui accepte au fond l'économie de marché, qui accepte l'entreprise, qui accepte le libéralisme, qui va dire à l'université du MEDEF « j'aime l'entreprise ». Et la droite a perdu, en quelque sorte, le caractère caricatural de son adversaire. Et en fait, c'est une crise globale du dialogue démocratique parce que le véritable enjeu n'était plus là où il avait pu être pendant cette grande période du XXe siècle traversée par l'hypothèse communiste, par l'hypothèse marxiste. Et donc maintenant, ce travail, il faut qu'il se fasse sur les grands enjeux de demain. Pardonnez-moi, il y a la question de l'écologie dont on va parler tout à l'heure, sur laquelle la droite ne s'est jamais prononcée vraiment. Et là, évidemment, il faut qu'elle fasse un travail de fond. Je me souviens de Luc Chatel pendant la campagne des présidentielles disant « la droite est le parti du gaz de schiste ». Enfin voilà, on voit bien qu'il y a un problème de fond dans la facilité que la droite, ou la difficulté qu'elle a eue à parler à la jeunesse notamment. Et puis il y a la question, à mon avis, centrale de la démocratie. Et c'est sur cette question-là peut-être que la droite peut avoir quelque chose à dire pour répondre à la perspective macronienne, de fait, sur la question de l'Europe, sur la question de la recentralisation ou de la concentration des pouvoirs dans la relation aux collectivités et aux territoires. Oui, certainement, la droite doit trouver des réponses à apporter ou des propositions à faire, mais c'est un travail qui est devant elle et qui, de toute évidence, n'a pas encore été fait. Alors, on citait Patrick Buisson tout à l'heure, grande interview, grand entretien de Patrick Buisson dans Valeurs Actuelles cette semaine, qui explique que le clivage, je le cite, entre progressistes et conservateurs que revendique Macron est une aubaine pour la droite. Vous êtes d'accord avec lui, François-Xavier Bellamy, brièvement, avant de donner la parole aux autres ? Est une aubaine. Une aubaine. Je pense que la façon dont la question est, dont le clivage est formulé, est en fait un piège absolu pour la droite. Je ne crois pas que demain, des centaines de milliers de jeunes vont s'enthousiasmer pour la perspective du conservatisme. Je sais qu'il y a un grand débat à droite aujourd'hui sur cette question. Pour moi, qui me sens plutôt héritier d'une tradition intellectuelle de droite, je n'ai pas du tout envie d'engager ma vie politique ou intellectuelle dans l'idée du conservatisme. Je crois à la nécessité de la transmission. Et je crois que peut-être c'est là l'un des grands points de fracture avec le progressisme qu'incarne Emmanuel Macron. Je ne crois pas qu'il soit possible d'opposer, par exemple, d'une façon aussi caricaturale, l'ancien monde au nouveau monde. Je crois que toujours ce que nous faisons de nouveau suppose quelque chose d'ancien que nous recevons en héritage. C'est peut-être ce que la droite porte dans sa propre tradition et qu'elle peut apporter aux défis de demain, notamment sur la question écologique, par exemple. L'écologie, de ce point de vue-là, est animée par le sens de la transmission et de la nécessité de la transmission. Mais ce qui est certain, c'est que le conservatisme en tant que tel me paraît insuffisant pour répondre aux défis de demain. Thierry Pêche. Oui, j'écoutais François-Xavier Bellamy. Je repensais à votre sujet en introduction, à Colombey, les deux églises, qui est présenté comme une scène shakespearienne sur laquelle va bientôt apparaître le commandeur, etc., de Gaulle lui-même. Mais les voix qu'on entendait étaient toutes des voix de vieilles gens. C'est une scène sur laquelle il y a beaucoup de... C'est un peu l'électorat du troisième âge, quoi. Et c'est-à-dire que la crise de la droite n'est pas simplement une crise idéologique, que toute notre conversation porte là-dessus, c'est aussi une crise sociologique. Quand on regarde qui vote pour la droite de gouvernement, parlementaire, je ne parle pas de l'extrême droite, ce qui est frappant, c'est que c'est un électorat âgé, c'est que c'est
un électorat dont les bases traditionnelles se sont partout effritées. C'était quoi l'électorat traditionnel de la droite? C'était un électorat d'indépendants, de commerçants. Il y avait beaucoup d'indépendants dans la société française traditionnelle. Bon, il n'y en a quasiment plus. Enfin, les nouveaux indépendants sont des gens qui sont sortis du salariat, mais ils sont statistiquement très peu nombreux. C'était un électorat catholique. La pratique catholique s'est effondrée. Et le catholicisme comme levier d'engagement politique est très visible dans certaines manifestations et certaines organisations. Mais ça ne prend pas de façon massive. Et en plus, la droite a perdu les centres-villes en très grande partie. C'est-à-dire et d'ailleurs, c'est, je crois, une discussion pour ceux qui s'intéressent à sa refondation. Donc c'est une crise qui est... non seulement une crise des idées, mais c'est une crise de l'ancrage dans la société française. La gauche a des problèmes symétriques, hein, mais qui ne peuvent pas se lire simplement comme des problèmes complémentaires. C'est autre chose. Et donc, il va falloir que les deux camps se repensent, non pas l'un contre l'autre, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est progressiste, il faut dire ce que c'est que le progrès. Ce n'est pas simple dans une société d'après les catastrophes et d'avant de catastrophes écologiques futures. Bon. Tout ça n'est pas simple. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en disant la gauche a fait son aggiornamento, ça c'est fait. Non, il y a la France insoumise à gauche, qui est pas du tout, qui n'entend pas du tout de cette oreille et qui est une force consistante, importante. Même si l'on rejette, comme le fait François-Xavier Bellamy, en effet, on se dit qu'il incarne une génération qui n'est pas forcément celle qu'on entendait en effet tout à l'heure dans ce reportage. Est-ce que quand même il n'y a pas à redéfinir aujourd'hui, ou est-ce qu'on n'a pas encore envie de donner la parole à cette droite-là qui a envie de repenser la notion de frontière, repenser la notion de territoire? Vous avez l'air de l'évacuer, cette droite-là, comme si elle n'existait pas. Elle pèse quoi aujourd'hui, Gilles Finkelstein? Elle existe encore, elle n'a pas disparu? Non, la droite n'a pas disparu. Cette droite-là. Cette droite-là n'a pas disparu et, d'une certaine manière, elle a moins disparu que la gauche, en tout cas que la gauche socialiste. C'est-à-dire le socle d'électeurs de droite reste solide. En dépit de tout, François Fillon a fait 20%. Il fallait quand même y aller. Hein, le premier tour pour aller voter François Fillon avec cette campagne, il y a eu 20%. Donc, après, je pars de Thierry Pech pour arriver à Christine Ockrent en passant par Patrick Buisson. Quel art de la synthèse. S'il te plaît, ne fais pas de malentendu. Hein. Je pars de Thierry Pech. La difficulté sociologique de la droite est un problème considérable. En gros, en dessous de 60 ans, quand vous votez pour la droite républicaine, vous êtes une anomalie statistique. C'était moins de 10% en dessous de 60 ans. Et donc, partant de là, la conclusion qu'en tire Laurent Wauquiez, dans la droite ligne de Patrick Buisson, c'est que la cible à rechercher, c'est l'électorat populaire qui a déserté la droite et qui vote pour le Front National. C'est ça le cœur stratégique. Bon, et donc, à partir de là, ça veut dire deux choses. La première, ne pas démoniser le Front National et même, lorsque la question se pose, ne pas appeler à voter contre le Front National. Laurent Wauquiez n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle et précédemment, quelques jours après les attentats de 2015, dans une législative partielle dans le Doubs, il n'avait pas appelé à voter contre un candidat socialiste, contre le candidat du Front National. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est non pas la ligne stratégique, c'est la ligne idéologique. Et c'est là où j'arrive à Christine Ockrent. Je pense qu'en mode majeur, c'est mettre sur le devant de la scène les questions d'identité. L'immigration, la question des territoires, la question de l'assistanat qu'il renvoie à la question de l'immigration. Et en mode mineur, et en mode mineur seulement, les questions économiques et les questions européennes. Et je crois que pour Laurent Wauquiez, compte tenu des positions qui ont été les siennes il y a peu, il a publié un livre en 2014 qui était un pamphlet contre l'Europe, la question européenne est un problème majeur parce que les premières élections sont les élections européennes. La ligne sur laquelle il est n'est celle ni de ses électeurs ni du reste des dirigeants et il doit faire un mouvement pour essayer de faire en sorte que cette question-là ne fracture pas la droite. Et donc, je pense qu'il va essayer d'amodier ses positions. Alors, il y a en effet un numéro d'équilibriste de Laurent Wauquiez sur l'Europe. Pour bien le comprendre, on va se souvenir de ce que disait Philippe Séguin en la matière, puisqu'il y a eu cette interview de Laurent Wauquiez jeudi dans le Figaro qui dit « On ne construit pas l'Europe contre la vie des peuples », réveillant donc ce bon vieux clivage des droites depuis Maastricht, depuis 1992. On va réentendre brièvement Philippe Séguin et on va se demander si c'est ce que dit aujourd'hui Laurent Wauquiez. On connaît l'argument. Il nous faut faire l'Europe, donc il nous faut concéder
une partie de notre souveraineté. Comme si cette relation causale allait de soi, comme si le respect des souverainetés interdisait la coopération, l'ouverture, la solidarité, comme si les États souverains en étaient fatalement réduits à un splendide isolement et condamnés à une politique frileuse de repliement sur eux-mêmes. C'est oublier que, si cela lui paraît nécessaire, un État peut souverainement décider de déléguer des compétences ou les exercer en commun avec d'autres. Et la querelle n'est pas purement sémantique. C'est une chose, en effet, que de déléguer temporairement un pouvoir susceptible d'être récupéré lorsque la délégation n'est plus conforme à l'intérêt national ou ne répond plus aux exigences du moment, c'est une toute autre chose que d'opérer un transfert sans retour pouvant contraindre un État à appliquer une politique contraire à ses intérêts et à ses choix. Christine Ockrent, ça c'est ce que dit Philippe Séguin en 1992, c'est en effet un très beau discours. Et puis il y a ce que dit Laurent Wauquiez, qui dit toujours dans cette interview au Figaro. Il le dit moins bien. Je vous en laisse juste, je propose un chemin qui réconcilie la famille issue de Monet et la filiation de Séguin pour sortir du gouffre ouvert au moment de Maastricht. Est-ce que ça veut dire faire un numéro d'équilibriste, comme le disait Gilles Finkelstein à l'instant sur ces questions européennes? Mais je crois que c'est jouer, comment dire, sur... la présence d'un fantôme, parce que je crois que Philippe Séguin a marqué une certaine droite de son talent et en même temps de cette forme de sensibilité qui était la sienne. On se souvient de ses yeux enamourés face à un François Mitterrand lors de ce fameux débat sur Maastricht, qui était humainement un spectacle tout à fait étonnant. Mais c'était il y a 25 ans et les problématiques aujourd'hui, comme le souligne à juste titre Gilles, sont beaucoup plus liées à la crise migratoire qui va nous accompagner pendant des générations. Et l'on voit bien que ce que Wauquiez essaye de faire, hélas, encore une fois, à mon avis, avec un vocabulaire moins expressif que celui de Philippe Séguin, c'est justement de confondre ou de mêler la question identitaire à la question de l'Europe. Et ce sera, je crois, encore une fois, le fer de lance de sa campagne, non pas de sa campagne actuelle, puisque cette élection semble pliée d'avance, tout comme celle d'ailleurs de Christophe Castaner hier à Lyon, même si les formes sont davantage respectées. La différence, c'est quand même que les adhérents votent, oui. Oui, d'accord, mais enfin... En Marche est censé être un mouvement et pas encore un parti, c'est tout leur problème d'ailleurs. Mais encore une fois, il sera intéressant de voir dans les deux ans qui viennent, donc jusqu'aux élections européennes de 2019, comment Wauquiez arrive à construire un argumentaire au moment où le Brexit démontre, de façon d'ailleurs très contrastée, les forces et les faiblesses de la construction européenne. C'est un exercice très difficile, à mon avis, pour tout le monde, mais singulièrement pour la droite que veut diriger Wauquiez. Alors, aidez-nous à y voir plus clair, François-Xavier Bellamy. Est-ce que Laurent Wauquiez est séguiniste dans sa relation à l'Europe et au souverainisme? Et puis, c'est vrai, comme le disait Christine, que Laurent Wauquiez y réveille cette Europe des valeurs lorsqu'il dit dans cette interview « On ne doit plus oublier, sous-entendu comme cela a été fait auparavant, il le dit, les racines judéo-chrétiennes de l'Europe ». Est-ce que ça nous éclaire sur l'Europe que veut Laurent Wauquiez? Est-ce que vous arrivez à la comprendre? Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, vraiment, je crois profondément, la reconstruction de la doctrine de la droite est devant la droite et pas derrière. Et cette campagne interne pour l'élection à la présidence des Républicains, c'est une campagne qui parle autant du mouvement et des grandes tendances que ce mouvement doit suivre, de la manière dont il doit vivre, que ça n'est pas une élection présidentielle. Laurent Wauquiez, de fait, on a du mal à discerner exactement quel est le cap qu'il suit, notamment parce que, contrairement à ce qui a été dit, il rassemble déjà... le fait qu'il ait fait un ticket avec Virginie Calmels, tout ça fait que... Il n'est pas suivi par Alain Juppé sur les questions européennes, il n'est pas suivi par François Baroin qui dit que Macron a eu un courage de faire des réformes. Simplement pour dire, je ne crois pas qu'il ait fait l'impasse sur la pluralité des sensibilités de la droite, et ça rend effectivement difficile, je trouve, de la compréhension du cap qu'il veut suivre, parce que dans cette pluralité, il y a quelque chose qui est peut-être irréconciliable sur des questions, notamment comme celle de l'Europe, qui, à mon avis, est l'un des grands lieux de fracture
à la fois interne à la droite et aussi à la démocratie française aujourd'hui. Sur la question de la démocratie, je crois pas que sur la question de l'Europe, pardon, je crois pas que Philippe Séguin soit seulement un fantôme, parce que la voix qu'il a représentée correspond aussi à une inquiétude très profonde sur la question européenne qui dure depuis Maastricht, depuis 2005. Et encore une fois, je crois que là, il y a vraiment l'un des problèmes de demain autour duquel le dialogue démocratique peut se reconstruire. Effectivement, il ne faut pas que la droite se reconstruise face à la gauche ou la gauche face à la droite. Il faut que chacune se reconstruise pour elle-même. Mais il est très certain que c'est devant les problèmes de demain que ces forces politiques doivent se former ou se reformer. Et la question de la souveraineté me paraît vraiment une question capitale, une question qui ne touche pas seulement à celle de l'identité, même si elles sont liées, mais qui touche peut-être aussi et surtout à la question de la démocratie. Et c'est vraiment un enjeu fondamental. Et Philippe Séguin a incarné une voix qui alertait l'opinion sur le danger de voir disparaître avec la souveraineté une forme d'exercice démocratique qui est consubstantielle à l'existence d'un démos. Chose que dit aussi un Jean-Pierre Chevènement, par exemple. Et là, je crois qu'il y a vraiment une parole qui peut toucher largement sans être enfermable dans une forme de régression ou de réaction stérile, pour proposer vraiment un chemin vers cette aspiration à la liberté, cette aspiration à la démocratie qui est la condition, me semble-t-il, pour relever tous les autres problèmes auxquels nous aurons à faire face. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Rapidement, pour clôturer cette première partie d'émission, la question européenne, la question de la souveraineté qui pourrait rester comme champ à cette droite en pleine reconstruction, et puis la question des valeurs et les questions identitaires. C'est vrai qu'on a le sentiment, pour l'instant, Gilles Finkelstein et Thierry Pêche, que ces questions-là, le pouvoir macronien en place arrive à les noyer dans l'œuf. On a pu voir, par exemple, cette semaine à l'Assemblée nationale, à l'occasion des questions au gouvernement, cet échange entre Gilbert Collard et Gérard Collomb sur l'affaire des prières de rue à Clichy-la-Garenne, le genre d'affaires que pour l'instant le pouvoir macronien réussit à temporiser avec la fameuse méthode du « en même temps ». Mais est-ce qu'à un moment, forcément, ces questions-là vont ressurgir et pourraient justement donner du grain à moudre à cette droite en pleine reconstruction et lui redonner une certaine valeur, Thierry Pêche ? Je crois qu'on ne peut pas répondre à votre question à ce niveau de généralité. Il va falloir prendre les dossiers les uns après les autres. C'est vrai qu'il y a une forme d'indétermination. Non, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'indétermination du mouvement La République En Marche sur ces questions. Il n'y a pas eu d'expression très claire sur un certain nombre de ces enjeux. Bon, on peut reprendre les discours d'Emmanuel Macron dans la campagne, mais c'est un travail d'entomologiste. Vous voyez bien qu'en termes d'impression publique, les choses ne sont pas cristallisées, ne sont pas encore formées. Maintenant, je pense qu'on a intérêt à une forme de tempérance et d'équilibre sur certains de ces sujets. Il ne faut pas regarder la modération comme un vice, une fuite ou une hypocrisie, voire une forme de lâcheté. Je crois qu'il ne faut pas non plus mettre le feu, comme ça a été trop souvent fait par les leaders de droite dans ce pays, de droite et d'extrême droite, mais malheureusement pas que d'extrême droite. Et je pense que des gens comme Wauquiez tirent un certain nombre de boulets de ce point de vue-là. Donc la tempérance et la modération ne sont pas une fuite. Elles peuvent être une vertu. On va ricaner sur l'air du « en même temps », évidemment. Mais je crois qu'il y a aussi matière à prendre au sérieux ce type de démarche face à des questions qui sont susceptibles de diviser profondément une société qui a été, par le passé, mise à mal. Vous savez, c'est un sujet très sérieux parce que plus on parle, plus on se divise sur l'islam, l'immigration, plus le public lui-même se polarise. Alors même que la société est dans son ensemble, sur le long terme, tirée plutôt vers des valeurs libérales et d'ouverture, je crois. Bon. Donc ne brisons pas cette tendance. Gilles Finkelstein. Un mot sur l'Europe, un mot sur l'identité. Sur l'Europe, cette question a divisé la droite très profondément. On a entendu Philippe Séguin. En 1992, elle l'a divisé en son sommet, Chirac-Séguin, en sa base. L'électorat du RPR s'est partagé quasiment à moitié entre le oui et le non au référendum de Maastricht. Cette question ne la divise plus aujourd'hui. Les grands leaders de la droite jusqu'à aujourd'hui étaient sur des positions plutôt européennes, et l'électorat de droite est un électorat européen et même un électorat très européen. La question, c'est est-ce que Laurent Wauquiez va se saisir de cette question-là ? Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est empêtré pour en faire un sujet de combat.
Deuxième question, et je crois qu'il est partiellement lié, la question de l'identité. Ce qui a été très frappant pendant cette élection présidentielle, c'est que, alors même que l'on redoutait, que je redoutais, c'était l'objet d'un essai que j'avais publié au début de l'année 2017, ce piège d'identité, que la question centrale de la campagne soit l'identité, elle a été très absente de la campagne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas la société française, et c'est un des sujets qui voit une convergence entre l'électorat, une convergence relative, mais une convergence réelle, entre l'électorat de droite et l'électorat du Front National. Et donc, compte tenu de ce qu'est la stratégie que j'évoquais de Laurent Wauquiez, l'hypothèse qu'il vienne ranimer cette question-là, plutôt que la question européenne, me paraît une hypothèse forte. Rapidement, François-Xavier Bellamy, et on passera à la deuxième partie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Je crois qu'il y a quand même une chose qui est très importante à prendre en compte. Vous disiez que la question de l'Europe ne divise pas la droite. Elle ne divise peut-être pas son électorat réel, mais la question pour la droite n'est pas son électorat réel. C'est, vous le disiez tout à l'heure, son électorat potentiel. Or, sur la question de l'Europe, on voit très bien une différence très marquée du point de vue générationnel. C'est-à-dire que l'électorat de la droite actuelle est effectivement un électorat plutôt âgé. L'électorat plutôt âgé est celui qui, effectivement, est le plus pro-européen. L'électorat plus jeune, celui que la droite ne capte pas, est peut-être celui qui marque le plus de défiance, non pas forcément à l'égard de l'idéal européen, ni évidemment à l'égard de l'idéal d'une unité et d'une paix en Europe, mais en revanche à l'égard de l'Europe telle qu'elle se construit. Et si la droite veut reparler aussi à cette jeunesse, si elle veut lui parler de cette aspiration à la démocratie et à la liberté, il faut sans doute qu'elle sache faire ce travail intellectuel. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. À présent, chers visiteurs du dimanche, on va quitter la France et l'Europe de Laurent Wauquiez. On va partir pour Bonn, où se tenait le genre d'événement qui ne fait pas la une des médias, alors même qu'il n'existe pas de sujet plus urgent, plus central et, disons-le, plus vital, le climat. Cette semaine avait lieu la COP23, nouvelle conférence sur le climat, dans les rôles principaux Angela Merkel et Emmanuel Macron, et un beau discours du président français, 2 ans après l'accord de Paris, pour tenir l'engagement de limiter à 2 degrés le réchauffement, tandis que la maison brûle. Il sera bientôt trop tard, lancent 15 000 scientifiques du monde entier. La population mondiale augmente, les ressources se raréfient, la température monte, les scientifiques internationaux alignent les mauvaises nouvelles, il y a de quoi déprimer des régiments de bienheureux. Et le temps presse. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Ça fait des années que ça brûle, des années qu'on regarde les espèces vivantes disparaître. Les ours polaires faire du surf sur des morceaux de banquise, les petits poissons crever, les forêts rétrécir. Make our planet great again. Alors en attendant l'intervention de Superman, il va peut-être falloir penser à faire quelque chose si on veut sauver notre peau. Je tenais à venir pour réaffirmer l'engagement très fort de la France dans le projet et les avancées de la COP, réaffirmer l'importance non seulement des accords de Paris, mais maintenant également de leur mise en œuvre. Et j'ai pu annoncer au cours du discours l'engagement de l'Europe et tout particulièrement de la France pour remplacer les financements américains pour le GIEC, parce que nous avons besoin aujourd'hui de la connaissance scientifique et de l'expertise du GIEC. Réaffirmer aussi notre engagement très fort pour le sommet de Paris, le 12 décembre prochain, que nous organisons et qui permettra d'abord d'être au rendez-vous des financements et des engagements américains avec un secteur privé, des fondations, des villes américaines qui vont se mobiliser fortement, mais avec aussi des projets concrets que nous voulons et des financements ad hoc pour ces projets concrets. Et donc c'est une série de projets, d'initiatives, de financements comme de construction de projets que nous mènerons lors de ce sommet de Paris le 12 décembre prochain. Voilà Arnaud Pontus, mon confrère de RFI, Emmanuel Macron à Bonn jeudi dernier. Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, qui renvoie au prochain sommet parisien le mois prochain, qui s'engage à financer le GIEC, c'est-à-dire les experts du climat, qui rappelle les engagements de la France pour la sortie du charbon, qui se présente comme celui qui va compenser la très polluante présidence Trump en prenant le leadership de la lutte pour le climat. Mais dans les faits, Christine O'Krent, la France, l'Allemagne, l'Europe, est-ce qu'elles sont vraiment à la hauteur des enjeux ou est-ce qu'on continue tranquillement la politique de l'autruche sur le climat ? Tranquillement, non. Les discours sont édifiants, mais ils n'arrivent plus à masquer l'impuissance face à l'aggravation de la situation. Et je crois qu'il y a, non pas de l'hypocrisie, mais une espèce de fuite en avant dans le verbe qui ne correspond pas à l'impuissance réelle des gouvernements qui ont souscrit
à la COP 21. Là, on en était à la 23, ça veut quand même dire qu'il y en a eu 22 précédemment. Mmh. Quant à ce sommet du 12 décembre, c'est un mystère, parce que ce l'est fait évidemment pour marquer les succès de la COP 21. Le risque, c'est que ça peut aussi masquer précisément l'impuissance. En principe, cette échéance, ce sera pour expliquer précisément le financement de la transition énergétique. Certes, mais alors, évidemment, on tombe à bras raccourcis sur les États-Unis, à juste titre. Il sera d'ailleurs très intéressant de voir demain quelle va être la décision du Dakota, parce que cet énorme pipe qui s'appelle le XL2, c'est pas une taille, c'est pas une taille de vêtement, hein, c'est un énorme pipeline. Il y a eu une fuite il y a 2 jours dans le Dakota, et précisément, on oublie souvent, même si c'est plutôt rassurant, que les États fédérés aux États-Unis ont autant de pouvoir, sinon plus, que Washington en la matière. Donc il sera très intéressant de voir quelle sera la réaction des États concernés sur ce projet précis. Mais pour en revenir à ce sommet de décembre, je crains qu'il ne soit en fait l'aveu d'une forme d'impuissance d'autant plus grande que ce que l'on ne dit jamais, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz de carbone. Mais on n'a pas encore les solutions technologiques pour absorber le gaz de carbone qui existe déjà dans l'air. Et ça, c'est le non-dit. Comment va-t-on faire ? Il y en a déjà trop. Alors, c'est déjà très, très important d'essayer de limiter l'accroissement. Mais comment faire pour essayer d'évacuer ? Et là, il n'y a pas encore de technologie pour y parvenir. Alors, au-delà d'engagements déjà pris par la France et qu'Emmanuel Macron a repris lors de sa présence à Bonn, il lui a été reproché d'arriver les poches vides. Il y a aussi ces scientifiques qui sont venus à Bonn, Thierry Page, pour expliquer que pour que la planète reste vivable, pour éviter trop de sécheresse, de canicule, il faudrait aujourd'hui multiplier par 3 les promesses de l'accord de Paris. Bruno Latour, dans son dernier livre, ou Atterrir, parle de climato-attentisme ou de climato-quiétisme. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est climato-quiétiste ou attentiste ? Oh non, je ne crois pas. Je pense que s'il faut jeter une pierre aujourd'hui, c'est certainement pas à la France qu'il faut la jeter. Quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se rassure. Là, franchement, regardez autour. Regardez bien sûr les États-Unis. Regardez la Chine, premier émetteur mondial, qui fait d'ailleurs des efforts. Regardez l'Allemagne, qui, en sortant du nucléaire à angle droit, s'est condamnée à une production énergétique en partie fondée sur le charbon et qui, du coup, s'écarte de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier. Donc, on ne pense pas qu'on puisse faire ce procès ni à la France de Hollande, qui avait réussi la COP 21, qui n'était pas une petite affaire, ni à la France de Macron, qui aujourd'hui veut reprendre une forme de leadership européen sur cette question, parce que le cœur de la conscience occidentale, quand même, les États-Unis, ont lâché. Ça n'a pas d'incidence immédiate, sauf que, par exemple, il y avait des financements prévus américains pour les pays en voie de développement qui vont voir, avec la montée des eaux, des millions de gens jetés sur les routes et parfois sur les mers. Ces pays n'auront pas l'argent qu'on leur a promis. Bon. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler de climato-quiétisme à propos des pouvoirs publics français. On est sur une mauvaise trajectoire. C'est sûr. Quand on dit aux gens qu'il ne faut pas dépasser plus de degrés, ils ne comprennent pas plus de degrés sur un thermomètre quand on sort de chez soi, ce n'est pas grave. Sauf que c'est des conséquences qui sont massives. Je crois que là, en 2016, plus de 23 millions de personnes ont dû être déplacées, ont dû quitter leur maison, leur pays, à cause de la montée des eaux, à cause de la sécheresse. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Maintenant, il faudrait mettre l'accent sur ce qu'on peut faire. Moi, je ne pense pas que le sommet du 12 décembre soit une mauvaise idée pour une raison simple, c'est qu'il peut mettre l'accent, même techniquement, sur des sujets qui sont un peu absents de la discussion publique. Par exemple, l'industrie financière a un rôle majeur à jouer dans cette affaire pour déprécier les actifs fossiles, pour accélérer leur dépréciation. Il y a aujourd'hui une grande quantité d'actifs fossiles dans les portefeuilles financiers d'acteurs qui ont un vrai pouvoir d'influence internationale. Il faut les convaincre que ces actifs fossiles ne vaudront plus rien dans 15 ans, dans 20 ans, et qu'il faut s'en séparer maintenant. Et s'ils font ce travail, vous imaginez
le report d'investissement possible sur d'autres technologies, sur d'autres énergies. La France a un rôle même de leadership à jouer sur cette question de la finance verte. On est parmi les premiers à avoir imposé aux grandes entreprises un reporting environnemental. On est parmi les premiers à avoir adopté des idées de type green bonds. Il faut valoriser tout ça et il faut attirer chez nous, effectivement, des acteurs internationaux, américains notamment, des États les plus coopératifs, des entreprises. Il y en a plus d'un millier de grandes entreprises américaines qui sont prêtes à jouer le jeu, y compris d'ailleurs parfois des entreprises de secteur fossile qui savent que leur business model est déjà mort d'une certaine façon à l'horizon de la prospective. Donc voilà, il y a des choses à faire. Gilles Finkelstein. Vous avez évoqué le climato-quiétisme d'Emmanuel Macron. Je pense que l'élément important là-dedans, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le climato-quiétisme. Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. L'échec, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à Bonn, l'échec de la COP23, n'est pas dramatique en soi parce que la prochaine COP en Pologne, à la fin de l'année prochaine, sera plus importante. C'est elle qui va régler les règles d'application de l'accord de Paris. Ce qui est problématique, c'est la séquence depuis les accords de Paris. Ils ont été signés très vite, beaucoup plus vite que traditionnellement les grands accords internationaux. Mais depuis lors, il y a un effet de ciseau avec une dynamique politique qui est à la baisse, liée notamment aux positions américaines, et une dynamique des émissions qui est à la hausse. C'est ça le problème. Et il faut essayer d'en comprendre les causes. Il y a le conservatisme, c'est-à-dire qu'on est face à des changements qui viennent perturber nos modes de vie, nos habitudes, et qui viennent déranger des intérêts financiers qui considèrent que tout changement intervient trop vite, intervient de manière trop brutale et coûte trop cher. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a une dimension idéologique qui explique ce climato-quiétisme, notamment aux États-Unis. C'est le poids du complotisme qui existe dans ce pays comme dans beaucoup d'autres, et qui donc le peu de crédit qu'on accorde aux appels des scientifiques. La deuxième dimension est une dimension psychologique et elle a été évoquée par Thierry à l'instant. On est face à des changements d'une telle ampleur que chacun se demande quelle part il peut y apporter et espère être le passager clandestin des efforts des autres. Et puis il y a peut-être une dernière dimension presque d'ordre anthropologique, c'est que nous sommes les contemporains d'une mutation très profonde de notre rapport au temps. Nous sommes dans ce que j'avais appelé la dictature de l'urgence, le culte du présent, le culte de l'instant, le culte de la vitesse. Et quand on est face à des changements dont l'horizon est 2100, eh bien, c'est en contradiction orthogonale avec les évolutions de notre société. Et donc, c'est contre ces différents éléments-là qu'il faut lutter si on veut être à la hauteur de la situation. François-Xavier Bellamy, comment on lutte contre cette dictature de l'urgence ? On est devant un problème structurel de nos démocraties aujourd'hui qui, effectivement, sont construites pour représenter les aspirations des citoyens dans un temps court, dans le temps d'un mandat, dans un espace limité, dans l'espace de certaines frontières. Et la grande question de l'écologie, c'est la question de savoir comment on pourra ajuster la réponse de nos institutions à un défi qui, lui, pour le coup, ne se limite pas à des frontières et qui, par ailleurs, évidemment, engage le temps long et le temps très long. De ce point de vue-là, vous disiez que nous étions face au poids des conservatismes, mais je me permettrai, pour faire le lien avec notre question de tout à l'heure, d'inverser l'expression. En réalité, nous ne sommes pas assez conservateurs à cause de ce culte de la vitesse que vous évoquiez à l'instant. Nous avons construit notre économie sur l'idée du progrès, sur l'idée de l'accélération, sur l'idée du mouvement. Nous ne cessons de remplacer en permanence les produits de consommation que nous achetons et auxquels nous substituons petit à petit des versions nouvelles. C'est-à-dire notre économie de la croissance et de l'invention est une économie du remplacement permanent. Et de ce point de vue-là, c'est une anti-économie. C'est une économie qui s'est retournée contre elle-même, puisque l'économie au sens le plus classique du terme consiste à économiser. Or, on ne peut plus rien économiser aujourd'hui. Si vous achetez un smartphone et que vous décidez, pour bien l'économiser, de ne pas en faire trop usage, que vous le mettez dans un rangement et que vous ne vous en servez pas, que même si vous n'en faites rien, 2 ans plus tard, il ne vaut plus rien. C'est-à-dire, sa valeur marchande s'est effondrée. Donc le progrès, en fait, cette idéologie, ce culte du progrès, nous appauvrit terriblement. Puisqu'il fait faner dans nos mains tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons acheté.
L'économie de la consommation est en fait une économie de la destruction, littéralement, puisque consommer, c'est détruire. Et une économie qui mesure son taux de croissance à l'intensité de la destruction des biens qu'elle produit, c'est une économie qui ne peut pas aboutir à autre chose qu'à la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, je disais que l'idéal de la conservation ne me paraissait pas suffisant. Ce qui importe pour nous, c'est de transmettre le monde que nous avons reçu et de transmettre un monde qui soit encore vivable par des êtres humains demain. Mais ce qui est certain, c'est que pour pouvoir le transmettre, nous gagnerions beaucoup à devenir un peu plus conservateurs. France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry. Doit-on devenir plus conservateur pour sauver la planète ? Vous me faites un peu penser à ce que disait justement Patrick Buisson dans Valeurs Actuelles, qui disait que le progrès était une notion qui appartenait au 19e siècle. Ça ressemble un petit peu quand même dans l'analyse. Moi, je voudrais vous parler de ce climatologue de renom, père du concept de la limite de 2 degrés, l'allemand Hans-Joachim Schellnhuber, qui avoue son inquiétude ces derniers jours, bien sûr, dans des interviews accordées à des journaux du monde entier. Il dit que parfois il désespère, mais que parfois, finalement, il se reprend à y croire. Et il parle justement des générations à venir. Il dit « c'est ma théorie du 3D, désastre, découverte, décence. Les gens auront peur, car des désastres naturels vont se profiler. Il y aura des découvertes. » Alors, il cite par exemple la révolution photovoltaïque. Et puis, il y aura ce qu'il appelle la décence, l'instinct humain élémentaire. Nous ne voulons pas la fin des îles Marshall. Nous ne voulons pas tuer nos descendants. Il faut faire confiance aux générations d'après, Christine Ockrent. Oui, mais il y a un autre dé, justement, qui est la démographie. Dans l'appel des 15 000 scientifiques, il y a un argument qui, à mon sens, a été trop passé sous silence, et sans doute parce que cela fait partie des non-dits du problème climatique. Les scientifiques disent clairement qu'il faut limiter notre reproduction. Il faut arriver à avoir une population humaine à la mesure des ressources de la planète. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est évidemment indicible par rapport à des continents entiers, à commencer par l'Afrique, où le droit au développement est évidemment un droit revendiqué, même si il explique en bonne partie le phénomène migratoire. Et cette idée de limiter l'expansion démographique est quelque chose qui, philosophiquement, culturellement, humainement, est très difficile à aborder. Et je crois que le silence qui est fait sur cette question correspond justement à ce malaise. Thierry Pêche. Alors, je voudrais revenir à la fois sur ce qu'a dit François-Xavier Béhanni et sur ce que vient de dire Christine. François-Xavier est un redoutable bretteur. On vient d'assister à une acrobatie sophistique fantastique, l'écologie serait conservatrice. Je voudrais vous faire observer, François-Xavier, vous en conviendrez certainement, que pour conserver le patrimoine naturel, et de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut être conservateur, il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir procéder à une démarche progressiste. Je vous donne un exemple. Parmi les facteurs d'émission de gaz à effet de serre principaux, vous avez l'agriculture, l'élevage en particulier. On mange beaucoup trop de viande. Bon, il va falloir manger moins de viande. Pour ça, il va falloir manger autre chose, par exemple des légumineuses. Bon, les légumineuses posent des problèmes de digestion, donc on va inventer de nouvelles molécules. La machine du progrès a du grain à moudre pour 100 ans, je vous rassure, les progressistes ont de l'avenir, justement pour conserver le patrimoine culturel, naturel. Un mot sur le point de Christine. Malthus est de retour. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et Platon. Oui. Mais enfin, déjà, Malthus, ça va pas être simple à gérer. on peut pas dire aux gens, vous n'avez plus le droit de faire des bébés. Ça va être très compliqué. Allez expliquer ça en Asie, en Afrique. C'est pas possible. Moi, je pense que la planète peut être hospitalière pour 10 milliards d'individus, mais pas avec les pratiques qui sont les leurs aujourd'hui. Les trois premiers dés me suffiraient si on arrive, effectivement, à être plus prudent avec nos pratiques alimentaires, industrielles et autres. Gilles Finkelstein. Alors cette fois-ci, donc, je pars de Schellnhuber pour arriver à Christine et à François-Xavier. Il y a un problème un peu symétrique dans ce que dit Schellnhuber et ce que dit Christine Ockrent. L'idée qu'on peut s'en tenir aux découvertes qui vont arriver, peut-être. L'idée qu'il y a la démographie qui est là et contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, tout ça conduit à l'attentisme. Or, et c'est là où j'en viens à François-Xavier Bellamy, si l'objectif peut être celui de la conservation, pour qu'il y ait conservation, il faut qu'il y ait
un changement profond. On revient à la formule traditionnelle que tout change pour que rien ne change, peut-être, mais en l'occurrence, le tout change, c'est ça qui est l'élément important et c'est l'élément sur lequel on peut agir. Et quand je dis on peut agir, on se concentre beaucoup depuis le début de cette émission et souvent dans le débat public sur les gouvernements. Les gouvernements ne sont qu'un des éléments. Et je vais peut-être terminer par là. Vous connaissez la parabole qu'utilise Al Gore, héros de la lutte contre le changement climatique. Il raconte cette histoire d'un jeune garçon très malin qui veut piéger un vieil homme très sage, réputé pour sa sagesse. Il vient le voir, il attrape un petit oiseau qu'il met entre ses mains et il demande au vieil homme si l'oiseau est mort ou vivant. Le vieil homme saisit le piège, il voit que s'il dit que l'oiseau est vivant, le jeune homme va serrer les mains. S'il dit que l'oiseau est mort, il va les ouvrir et le libérer. Et donc il réfléchit un instant et il lui dit « la réponse est entre tes mains ». Eh bien, c'est exactement la même chose pour le changement climatique. La réponse n'est pas seulement entre les mains des gouvernements. La société civile, les entreprises, les collectivités locales, chaque individu a un rôle absolument déterminant à jouer. Ça serait une erreur d'être dans l'attentisme et une erreur de tout attendre des gouvernements seulement. François-Xavier Bellamy. Simplement pour répondre sur le point de tout à l'heure, ce n'est pas un point juste de détail, mais de fait... Thierry, vous connaissez suffisamment l'histoire politique et intellectuelle pour savoir que le conservatisme ne consiste pas à dire qu'il ne faut rien changer. Le progressisme non plus ne se définit pas par le fait qu'il est nécessaire de faire des progrès. Faire des progrès, tout le monde est d'accord pour ça, c'est pas du tout le propos. Le progressisme considère que le monde ancien est moins bien que le monde de demain, que le monde nouveau. C'est en cela que réside l'essence du progressisme. Le conservatisme consiste à aimer le monde tel qu'il est, à considérer que parce qu'il est beau, parce que l'homme tel qu'il est mérite d'être transmis, eh bien, il faut tout changer pour parvenir à le transmettre. Et de ce point de vue-là, c'est l'amour du réel qui caractérise une forme de conservatisme. Ce qu'on pourrait résumer dans la formule de Jonas qui disait que l'humanité n'a pas droit au suicide. Et de ce point de vue-là, le défi écologique est bien plus grand que le défi climatique puisqu'il englobe bien d'autres dimensions qui touchent au vivant dans sa généralité. Merci beaucoup. Et non, mais vous reviendrez en parler, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres dimanches et d'autres esprits publics. Merci beaucoup à tous les quatre, Christine Ockrent, François-Xavier Bellamy, Thierry Pachet, Gilles Finkelstein. Merci beaucoup à vous d'être venus ce matin nous rencontrer, nombreux à la Maison de la Radio. Merci. Merci à Céline Leclerc qui a préparé, comme toujours avec moi, cette émission. Merci encore. Merci à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée. À la technique, Stéphane Desmonts, Manon Houssin, Stéphane Touvenin et Sofiane Merfoud. Tout de suite, évidemment, on ne parle pas la bouche pleine. Le déjeuner du dimanche d'Alain Kruger qui nous a préparé un taboulé libanais. C'est ce qui s'appelle être en phase avec l'actualité. En compagnie de Saïd Chaya, historien du Proche-Orient. À dimanche prochain. Après L'autre rive et La terre éphémère, découvrez Kiboula, le nouveau film de Georges Ovachvili, actuellement au cinéma. Un film France Culture. Votre dimanche sur France Culture. Au mois d'août 1951, les habitants d'un village du Gard sont la proie d'un mal étrange. L'un se jette dans le Rhône, l'autre se prend pour un avion. Bilan de cette nuit d'apocalypse, 5 morts, 30 internés, des centaines d'hallucinés. L'origine du mal, le pain du boulanger. Pain maudit, à Pont-Saint-Esprit, une histoire particulière à 13h30. 14h, l'art et la matière, Dada Africa, de l'influence des esthétiques extra-européennes sur le dadaïsme. 15h, personnage en personne, 1960. Françoise Sagan signe un nouveau roman, Le Garde du Cœur. Son héroïne, Dorothy Seymour, scénariste d'une quarantaine d'années, recueille un jeune homme d'une inquiétante beauté amateur de LSD. Qui êtes-vous, Dorothy Seymour, à 15h? Très beau dimanche sur France Culture. À vos baguettes, à vos fourchettes. Bon appétit. Nous retrouvons Alain Kruger. Allez-y. Non, une seconde, je compte.
Alors, 3, 4. On ne parle pas la bouche pleine de la taboulée. On ne parle pas la bouche pleine.